Salut à toutes et à tous, c'est fini, j'espère que vous allez bien la famille, moi ça va super bien, content de vous retrouver pour cette review du magnifique Ichigo manga les gars que j'ai eu récemment en live il y a à peine quelques heures les amis. Donc voilà, je me suis dit départ au Japon, débordé ou pas débordé, je me dois de vous faire cette review les gars avant mon départ. Et voilà tout simplement. Et voilà, je vais vous faire passer un petit message aussi en fin de vidéo. Donc pour ceux qui ont envie de rester pour écouter le message, n'hésitez pas à aller voir en fin de vidéo aussi. C'est comme vous voulez. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus la famille si ça vous fait plaisir pour ce magnifique Ichigo les frérots. Moi ça me fait grave plaisir de l'essayer. Je viens de le monter 200, j'ai pas du tout essayé. On va essayer plusieurs builds. Mais ouais, il est ouf. Il est ouf ce Ichigo. Et j'espère vraiment qu'il va casser les gueules. En tout cas, niveau 200 Ichigo manga les gars, un violet, voilà un violet pression spi, peut-être même le pression spi le plus cheaté du jeu, avec 1053 d'endurance, 642 d'attaque, avec 354 de défense, 351 de concentration et 778 de pression spi. Donc il est grave OP niveau stats, c'est archi cheaté, tueur de Shinigami, donc ça c'est ouf. Attaque spéciale, le véritable Zangetsu, après avoir lancé un Getsu Gatensho, tranche avec le véritable Zangetsu, infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Donc voilà, temps de recharge d'attaque puissante, moins 12%, donc il est over pété. Les gars, ce Ichigo, c'est une pure merveille. Voilà, donc si vous n'avez pas vu la vidéo invocation, les amis, n'hésitez pas à aller la voir, la vidéo sera en description, le petit i en haut de vidéo, ce sera partout les frérots. Merci à tous, d'ailleurs on était plus de 1900 les gars, et j'ai du mal à m'en remettre et j'y crois toujours pas les frérots qu'on était quand même 1940, c'était... Merci encore une fois. Parfait, c'est des Shinigami, j'avais même pas regardé s'il y avait un raid orange. On est parti les amis pour ce Ichigo. J'ai hâte les gars, j'ai hâte de le jouer là. Oh là là le Kisuke. Bankai! Putain c'est stylé, Benkai Tensa Zangetsu quand il arrive. Donc les combos, 4 hits, très bon combo, attaque normale, dash en avant, magnifique. La troisième strong, le full screen, là le deuxième strong, le buff qui le fait se transformer en holo. Donc ça c'est ouf, allez c'est parti les frérots pour le mode full NAD. Je vous ai même pas en montré en plus comment je l'ai équipé, mais bon tant pis, je vous le montrerai juste après. Oh là 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 là. Oh là là, du 10 000. Oh là 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 là, il casse des bouches. Ça c'est du Ichigo. C'était celui que je voulais le plus les gars, je suis tellement OP. Je suis tellement OP, voilà, pour ceux qui étaient là en live, le fait de l'avoir eu dans la multi gratuite, c'est tellement un truc de malade. Putain, plus j'ai... Objectif atteint les gars, pour cet anniversaire c'était vraiment objectif atteint, j'ai eu 3 persos manga, j'ai tapé Ulquiorra et Siphon Fullbring, perso que je voulais le plus, c'est vraiment objectif atteint les frérots pour moi. Comme là maintenant je tourne sur téléphone, je vais essayer de baisser un petit peu ma caméra juste après, histoire qu'on voit un peu mieux. Même la première strong elle tue quoi. Attendez, je vais juste baisser un peu comme ça. Voilà, parce que comme je suis baissé maintenant, peut-être baisser c'est mieux comme ça je pense. Oh là 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 les gars. Il me fait rêver ce Ichigo. Il me fait rêver. Sa forme holo comme ça. Oh là là, du 12 000 quasiment. Oh buffé, c'est une dinguerie. Nigaska. Je savoure comme vous les frérots, je savoure comme vous. Et sa spé qui est pour moi l'une des plus belles spé du jeu les gars, avec le Kura et Kuraku manga. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là là. Je suis amoureux de ce perso, je suis amoureux les frérots. Je suis amoureux. Oh là là, je suis amoureux. Je vais juste vous montrer comment je l'ai équipé les frérots parce que je vous ai pas montré.
Donc triple 25 en NAD, Aori attaque plus 30. Voilà comment je les joue avec le Papyrus Gold attaque plus 30 et le Chappé attaque plus 20. Malheureusement, il manque 10% d'attaque. Mais bon, on a pu voir ce qui est donné. Donc là, on va jouer hybride. Et après, on va jouer full temps de recharge, les gars. Ça va être une dinguerie. Alors, en hybride, je peux faire quelque chose de beau, moi, normalement, en hybride, en violet. Je vais voir. Si je joue à Paolo, comme ça. Avec un Papyrus classique, comme ça. Non, on a un peu trop orienté attaque, là. Si je mets un Yuki, attaque plus 20. Non, il faut de la pression speed là, clairement. Pilule à la rigueur. Ouais, j'ai un putain de mode, mais j'ai pas de vie, quoi. J'ai un vrai mode. On va essayer comme ça, il y a de la vie. Rien que pour la beauté un petit peu du truc, pas pour le, non plus que la puissance de frappe. On va essayer comme ça. Ça m'a l'air d'être bien. Ça m'a l'air d'être bien comme ça. Attendez. Après, si je fais ça, j'ai vraiment pas de vie. Mais ouais. Non, on va remettre le Papyrus. Attends, on va essayer ça comme ça juste pour le fun. Non. Non, allez, comme ça, on va repartir comme ça, voilà. Petit mode hybride orienté, frais, pression, speed avec de l'attaque. On va avoir tous les Karalink. On va aller vers la fin, vers les Frenzy pour l'hybride. Je suis tellement heureux de l'avoir eu. Je suis tellement heureux, les frérots. Vous avez pas idée. Putain, je commence à avoir trop de persos. Moi, j'arrive plus à voir le bout quand je descends. Alors. Alors on commence à être bien. Et ils sont les persos orange là. Ah. Un petit ouais, un petit comme ça. Il y a un peu de temps de recharge. Il y a du NAD, il y a de l'attaque puissante. On va essayer comme ça, un petit mode hybride comme ça pour le fun. Voilà, on va se taper des petites barres tranquillement. Donc là, mode hybride. Voilà, on a quand même plus 700 en pression spi avec avec un peu de temps de recharge, plus 450 d'attaque, donc c'est super sympathique. J'ai de quoi monter le Ichigo, un Karadis que j'ai farmé au cas où. Mais je préfère le garder, le faire hors vidéo, histoire que vous voyez ce que ça fait sans Karadis. Ouf. Ouf. Oh putain, j'ai mangé tarif là. Oh, ça fait mal hein. Oh là 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 là. Pff, oh, il tape trop fort. Il tape trop fort. Oh là 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 là, c'est une merveille. Oh là 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 là, j'ai pas de mots là, je savoure les gars, profitez. Profitez juste de la review. Profitez du truc, je vais pas épargner, je vais épargner tout ça. Là on est sur du show, là il nous fait du show là le Ichigo là. Là le Ichigo il nous fait du show clairement là. Il a pas envie de faire une review. Oh là 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 là, là, tellement fort. Il est tellement fort. Mais tellement. Oh. Oh, j'ai esquivé. Densha! Oh là 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 là. Il est trop beau. Il est trop beau, les gars. Voici le mode hybride, les frérots. Principalement que du show. Je savoure tellement que j'ai même pas eu le temps de détailler le mode hybride. Ah là les gars, il est... Ah là, vous avez vu par vous-même les gars, si vous avez aimé... si vous avez aimé le mode, voilà, tout simplement. C'est...
Il est ouf ce perso. On va essayer le mode full temps de recharge maintenant les frérots. Ce perso il est magique. Il est magique ce perso. Full pression spi, on va jouer. On va juste faire ça et mettre un corps céleste. Tout simplement. C'est parti. Attaque puissante rapide. En violet j'ai quoi moi? Ah oui j'ai lui, je peux le mettre sur le Caradis. Oh la merveille absolue, il y a lui que je peux mettre sur le Caradis. Ça va être magnifique. Non, pas en violet. M'en voulez pas les gars si je fais pas de coupure entre les modes, les frérots. C'est juste que si je fais des coupures, ça, qui dit coupure dit rendu, qui dit rendu dit des dizaines de minutes. Et le truc c'est que là je vous fais vraiment les vidéos c'est assez chargé, donc j'essaie de faire de les mettre le plus rapidement possible pour vous faire plaisir les frérots. Donc là, corps céleste, pression speed plus 30, la clé, pression speed plus 20 et la pilule, pression speed plus 30, triple 14. Voilà. Je peux mettre le triple 10 mais voilà je le fais pas. Et comme ça vous pouvez voir vraiment et essayer d'avoir le même mode. Mais voilà, là préparez-vous les potos à avoir un Ichigo déchaîné là. Je vais savourer hein. Putain je me fais toucher directement. Oh là 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 là. Oh là là. Presque 4000 en hit en attaque normale buffé. On dirait un Aizen Papillon. Il me fait penser à Aizen Papillon. Son buff qui revient hyper vite aussi. J'ai l'impression que c'est un Aizen Papillon. Oh là 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 là, le carnage sur ce plan. Oh là 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 là. C'est un truc de ouf. Mode temps de recharge, y'a pas photo les frérots. Oh là là, mode temps de recharge, y'a pas photo les frérots. C'est le meilleur violet, y'a pas photo, Walei. Uno Hana, meilleur perso PVP, lui meilleur perso PVE. Ah ouais, non, oh là. je suis heureux, je l'ai tapé. Ah putain. Oh putain, j'ai mangé un dash là. Oh là 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 là. Oh, il tape trop fort. Il tape trop fort mon gars. Il tape trop fort, c'est chaud. Allez, fais-moi rêver avec des bons dégâts là. Un bon petit 20 000 par hit là. C'est ce mode les gars, c'est le meilleur. C'est le meilleur les frérots pour ce mode, c'est le meilleur. Je suis hyper heureux les gars. Je suis hyper content de l'avoir. En tout cas les frérots, j'espère que la vidéo vous a plu et la petite review un peu chaud du Ichigo. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vais vous parler deux petites minutes les frérots. Voilà, ces petits messages. C'est que là, j'ai pas eu le temps réellement de vous remercier en live. Mais voilà, pour ceux qui ne savent pas, je vais au Japon demain. Donc à un moment où vous allez voir cette vidéo, c'est-à-dire mercredi 1er août. Je vais au Japon et ça me tenait vraiment à cœur de vous dire merci les frérots. Un grand grand merci pour cet anniversaire qu'on a passé ensemble. Tous les lives qu'on a pu faire, tous ensemble, toute la bonne ambiance. Voilà, on n'a jamais été autant sur les lives. Encore tout à l'heure, on était presque 2000 personnes. Les frérots, on était presque 2000 les gars, juste pour que j'invoque, voilà, je me dis moi je suis une personne comme tout le monde, je suis une personne comme vous les frérots. Moi aussi avant, même maintenant je mets des commentaires en vidéo, je me dis j'espère qu'il va me répondre. Moi aussi les gars, je suis comme vous les frérots, je suis comme vous les gars, j'ai rien d'extraordinaire. Et voilà, merci pour cette aventure de folie les frérots. Voilà, on va pas se revoir avant 3 semaines. Et voilà, j'essaierai de vous faire un live du 24-25 août, mais ça risque d'être très compliqué.
Peut-être une vidéo show improvise depuis le Japon, mais je pense pas les frérots, puisque c'est mes vacances et c'est mon rêve. Et voilà, un grand grand merci, voilà. Je vous aime de ouf. Et voilà, quel anniversaire pour moi et pour vous et pour moi. C'est voilà, moi ça a été un taux de drop de folie. Voilà, j'ai eu tout ce que je voulais. J'ai eu tout ce que je voulais, même encore durant live tout à l'heure, j'ai eu tout ce que je voulais. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui s'abonnent, un grand merci à tous ceux qui font des dons, un grand merci à tous ceux qui likent les vidéos, à tous ceux qui mettent un commentaire, à tous ceux qui regardent les vidéos, parce que voilà, si une vidéo elle fait 15 000 vues et que y a 200 commentaires, il y a quand même 14 800 personnes qui ont regardé la vidéo sans faire de commentaires. Il y a encore des personnes qui s'abonnent encore maintenant. Donc voilà, je parle principalement aussi à vous, la majorité silencieuse. Un grand merci de regarder les vidéos, de ne pas mettre de commentaires, de ne pas mettre de likes, juste regarder et kiffer les vidéos. Un grand, grand merci à vous, on vous remerciera jamais assez. Et voilà, je vous aime les frérots. Je vous dis bonnes vacances pour le mois d'août. Profitez quand même de vos vacances. Moi, je vais essayer de faire le maximum. Prenez soin de vous, la famille, c'est très important, la santé avant tout, avant les jeux, tout ce que vous voulez, la famille aussi. Prenez soin de vous, la famille, Juba ici, merci, t'es fini. Ça me fait mal au cœur, mais prenez soin de vous, les gars, on se reverra fin août. La bise.